Salut les amis, bienvenue sur Exomadar TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Red Dead Redemption 2. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de la rumeur qu'on entend parler depuis 2-3 jours sur une possible version de Red Dead Redemption 2 sur Switch. Oui, vous avez bien entendu, la Switch, la console portable de chez Nintendo. Alors on va de suite arrêter la rumeur parce que je vois plein de sites qui ont relayé ça, mais en fait ils ont plus ou moins déformé les propos. Qu'on soit bien clair, il n'y a pas de portage de Red Dead Redemption 2 qui est prévu sur Switch à ce jour. Je vous le dis directement, comme ça c'est réglé. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le président de Nintendo America, qui s'appelle Reggie Fils-Aimé, qui a tout simplement évoqué un potentiel portage sur la Switch. Et a priori, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, si le jeu n'a pas été prévu sur Switch, c'est parce que Rockstar n'était tout simplement pas au courant de la sortie de la console de Nintendo. A priori, ça n'aurait aucun rapport avec la puissance de la console. Quand bien même, quand on y réfléchit un petit peu, on se doute bien quand même qu'un Red Dead Redemption 2 sur Switch, ce serait quand même beaucoup moins joli qu'une version PS4, puisqu'on n'est vraiment pas du tout sur le même niveau en termes de puissance de console. Dans tous les cas, les possesseurs de Nintendo Switch, si vous n'avez pas de PS4 ou de Xbox One, je suis désolé, je ne veux pas vous dégoûter, mais voilà, n'y comptez pas trop dessus. Je pense juste que c'est en fait une façon de surfer sur l'actualité de Red Dead Redemption 2. Rockstar n'a jamais communiqué sur une possible version Switch, c'est tout simplement le président de Nintendo America qui affabule un petit peu sur le sujet. Donc voilà les amis, si jamais vous tombez sur des articles qui parlent d'une possible version de Red Dead Redemption 2 sur Switch, et bien selon ce qui est écrit dedans, ne vous faites pas de fausse joie, le jeu n'est pas du tout prévu sur cette console et ça m'étonnerait fortement qu'il le soit. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo informative pour vous parler du sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve très rapidement en vidéo ou en live.